Alors, le répertoire de la guitare classique est très vaste et on peut en être fier. Et j'essaie de, autant que possible, de à travers de mes concerts ou de mes enregistrements, de le mettre en valeur. Que ce soit des œuvres qui soient d'époque classique ou Renaissance, plus ancienne, ou des œuvres modernes. Et à chaque fois, j'essaie d'aller à la source de chaque œuvre pour en comprendre le sens profond. Pièce, je me mets dans un état d'esprit qui correspond à l'humeur que je veux développer dans cette pièce. Donc ça peut être un tableau, ça peut être quelque chose de très 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 intime, une sensation infime que j'essaye d'élargir le plus possible en moi et de la retranscrire de façon musicale. Et ce qui est très dur, c'est de rester dans cette sensation et de ne pas s'en aller. Quand on compose une pièce, pour rester dans le sujet. Et ça, c'est très important. Donc, chaque pièce a une humeur particulière, a une couleur particulière. Et voilà, c'est assez cinématographique, parce que je suis un grand cinéphile. Donc, c'est toujours des climats assez forts et des ambiances assez fortes. Ce qui m'importe, c'est dans la musique que je joue, c'est de toujours trouver du sens, un sens musical profond. C'est très important qu'on dit parfois que chaque note doit avoir du sens et doit avoir une raison d'être. Mais en fait, c'est pas exagéré, c'est vrai. C'est même essentiel. Quand on se joue en concert, on essaie, bien sûr, parfois il peut y avoir des difficultés hein, qui font qu'on n'est pas complètement satisfait, ça arrive évidemment. Mais on essaie de toujours être le plus sincère possible et de donner un sens profond à ce que l'on joue. Il y a une œuvre qui s'appelait Cavalcade, qui était sur une partie de cette œuvre était sur mon premier album, qui s'appelle L'Ermite Voyageur, et c'était une pièce pour guitare seule. Elle n'a pas trop marqué les esprits. Et quand j'ai rencontré Jérémy il y a 4 ans, je me suis permis de lui donner le score de cette composition. Et 2 jours après, il m'appelle, il me dit « c'est super, je veux la prendre dans mon répertoire ». Et là, pour moi, ça a été le début de cette aventure. Après, il m'a dit « écoute, ça marche très bien sur scène, j'adore la jouer, le public adore, j'aimerais que tu m'en fasses une deuxième si ça te dit ». J'ai composé une pièce lente, Nocturne numéro 1. Puis après le Nocturne numéro 2, et puis d'autres pièces qui sont venues. À partir de ce moment-là, il y a d'autres guitaristes qui m'ont contacté. Et j'ai composé pour eux aussi des choses. Mais mon guitariste, maintenant, qui m'inspirait, c'était Jérémy. On est vraiment complémentaires tous les deux, aussi bien humainement que musicalement. Et donc, au fur et à mesure, je m'inspirais du jeu de Jérémy. Moi, ce qui m'a tout de suite plu, c'est la profondeur de son jeu. La gestion de la note, du son, du silence entre les notes, de poser, de retarder à chaque fois certaines notes et pas d'autres. Pour moi, je redécouvrais
mes compositions. Complètement. J'ai toujours eu un droit de regard complet. Hein. Il m'a proposé des œuvres, il me disait « Ah, j'ai écrit quelque chose ou je suis en train d'écrire quelque chose ». Souvent, il me montrait les... Ou il me montre d'ailleurs, puisque ça continue, mais il me montre, là, c'était bah, juste tout à l'heure, il m'a encore montré une pièce nouvelle qu'il a écrite et qu'il est en train d'écrire. Donc, il me montre une première étape de son travail et je lui dis mes impressions, mais bon, il se trouve que j'aime énormément sa musique. C'est une musique qui me parle profondément. Je trouve qu'elle est toujours très inspirée. Et de la première à la dernière note, il y a quelque chose de très fort à exprimer. Pour moi, c'est un projet qui est vraiment important pour moi. Un projet personnel, en fait, qui est venu peut-être au bon moment, puisque ça fait depuis toujours que je suis très... curieux des différentes musiques, de cette ouverture. J'adore la musique classique plus que tout, mais je suis également très curieux des autres musiques. J'adore le jazz, j'ai étudié la musique indienne. La musique classique indienne, c'est aussi ce qui nous a rapprochés avec Mathias, puisqu'il travaille beaucoup en Inde. Et voilà, tout ça s'est fait de manière très évidente, en fait. Cette idée de l'album, ça a été très évident pour nous. Je suis très heureux d'avoir partagé ce documentaire avec Paris Guitar Foundation. Et c'est pour ça que j'ai souhaité vous montrer, vous partager en tout cas cet endroit de Paris qui est un endroit dans lequel je viens souvent. Je viens un peu plus tard qu'à cette heure-ci encore, même si déjà il est presque minuit. Voilà, je viens un petit peu admirer la ville, prendre un peu de recul aussi par rapport à la vie d'un musicien qui est quand même très, très occupé, très agité, souvent. Et j'avais envie de le partager avec vous. Et voilà, et je vous félicite de cette nouvelle association, cette nouvelle dynamique qui nous fera beaucoup de bien, je pense.